السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق, Il n'a pas tenu sa promesse. Il n'est pas venu. Il n'a pas tenu sa promesse. Il n'est pas venu. أما بالنسبة لدرس اليوم فهو مراجعة لأهم الجمل والعبارات التي تستعمل في الحياة اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. La première phrase, il est récemment décédé. Je répète, il est récemment décédé. En arabe, tufiya mu'akharan. Il est récemment décédé. Ça s'écrit récemment, mais on le prononce récemment. Décédé, le synonyme de ce verbe, c'est mourir. Ça veut dire yamutu. Il est récemment décédé. الآن إذا أردت أن أقول لا شيء ينقص. Oui, il ne manque rien. Je répète, il ne manque rien. Il ne manque rien. Une autre phrase, لا يوجد دليل. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, il n'y a pas de preuve. Je répète, il n'y a pas de preuve. La preuve, il y a al-hujja ou al-dalil. Il n'y a pas de preuve. الآن إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل, ألست عطشان؟ أي تشعر بالعطش؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, n'as-tu pas soif? N'as-tu pas soif? N'as-tu pas soif? Une autre expression, ce livre semble intéressant. Ce livre semble intéressant. En arabe, هذا الكتاب يبدو مثيرا للإعجاب أو مثيرا للاهتمام. Ce livre semble intéressant. Une autre phrase, لا يزال صغيرا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il est encore jeune. الآن إذا أردت أن أقول سأرافقك أو سأرافقك كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je vais vous accompagner. Je répète, je vais vous accompagner. أو يمكن القول أيضا Je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. جملة أخرى وجهه أصبح أحمرا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, son visage est devenu rouge. Je répète, son visage est devenu rouge. Ça c'est le verbe devenir. Conjugué au passé composé. هنا لدينا فعل يصبح مصرف في الماضي المركب. Son visage est devenu rouge. عبارة أخرى. شعرت برغبة في البكاء. نعم. J'avais envie de pleurer. Je répète. J'avais envie de pleurer. Ici on a le verbe avoir conjugué à l'imparfait. J'avais envie de pleurer. الآن إذا أردت أن أقول بالأمس كان الطقس ممطرا كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, hier le temps était pluvieux. Je répète, hier le temps était pluvieux. Était, ça c'est le verbe être à l'imparfait aussi. Pluvieux, يعني ممطر. C'est un adjectif, net ou sefa. Hier, le temps était pluvieux. Une autre expression, ça n'empêche pas. Je répète, ça n'empêche pas. En arabe, هذا لا يمنع. Ça n'empêche pas. تستعمل كثيرا هذه العبارة في الفرنسية. Une autre phrase, درجة حرارته طبيعية. كيف أعبر عن هذه الجملة؟
Oui, très bien. Sa température est normale. Sa température est normale. Sa température est normale. عبارة أخرى كدت أن أرتكب خطأ. نعم j'ai failli faire une erreur. Je répète j'ai failli faire une erreur. Failli c'est le verbe faillir يعني يكاد يوشك conjugué au passé composé مصرف في الماضي المركب. J'ai failli faire une erreur. Une autre expression, الفلفل الحار أحرق لساني. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, le piment m'a brûlé la langue. Je répète, le piment m'a brûlé la langue. Ici, on a le verbe brûler, يعني يحرق. Le piment m'a brûlé la langue. عبارة أخرى, كلهم نفس الشيء. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, ils sont tous les mêmes. Je répète, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. عبارة أخرى, لا أعرف أي منهن. نعم, je ne connais aucune d'elles. Je répète, je ne connais aucune d'elles. عبارة أخرى, كنا مستعجلين أو كنا في عجلة من أمرنا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, nous étions pressés. Je répète, nous étions pressés. Nous étions pressés. عبارة أخرى, اعتني بنفسك من فضلك. نعم, prends soin de toi, s'il te plaît. Une autre phrase, لديه سيارته الخاصة. نعم, il a sa propre voiture. Je répète, il a sa propre voiture. Une autre phrase, من فضلك مرر لي الزبدة. Oui, s'il te plaît, passe-moi le beurre. Je répète, s'il te plaît, passe-moi le beurre. Une autre phrase, رن الهاتف عدة مرات. نعم, le téléphone a sonné plusieurs fois. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Une autre expression, ce n'est qu'une blague. Je répète, ce n'est qu'une blague. En arabe, هذه مجرد مزحة أو مزحة. Ce n'est qu'une blague. أنا جديد هنا أو بالنسبة للمؤنث أنا جديدة هنا. كيف أعبر عن هذا بالفرنسية؟ Oui, très bien. Je suis nouveau ici. Je répète, je suis nouveau ici. Pour le féminin, بالنسبة للمؤنث نقول je suis nouvelle ici. Je répète, je suis nouvelle ici. الآن إذا أردت أن أقول أنا سعيد هنا أو أنا سعيدة هنا. Oui, très bien. Je suis heureux ici. Je répète, je suis heureux ici. بالنسبة للمؤنث فإننا نقول je suis heureuse ici. Je répète, je suis heureuse ici. أنا سعيد هنا أو أنا سعيدة هنا. Je suis heureux ou je suis heureuse ici. الآن إذا أردت أن أقول أنا سعيد أيضا أو أنا سعيدة أيضا أضفت هنا أيضا. كيف ستعبر عن هذا؟ Oui, très bien. Je suis également heureux. Je répète, je suis également heureux. Pour le féminin, je suis également heureuse. Je répète, je suis également heureuse. الآن إذا أردت أن أقول أنا في عطلة. Oui, très bien.
Je suis en vacances. Je répète, je suis en vacances. Ana في عطلة. Je suis en vacances. جملة أخرى. أنا ما زلت هنا. Réfléchis un petit peu. Oui, très bien. Je suis encore ici. Je répète, je suis encore ici. أنا ما زلت هنا. Je suis encore ici. الآن إذا أردت أن أقول أنا عالق هنا أو أنا عالقة هنا أي في مكان ما كيف أعبر عن هذا؟ Oui, très bien. Je suis coincé ici. Je répète, je suis coincé ici. أنا عالق هنا. بالنسبة للمؤنث فإننا نقول Je suis coincé ici. نضيف فقط E للصفة أي الأدجكتيف. Je suis coincé ici. أنا عالقة هنا. الآن إذا أردت أن أقول أنا عاطل أي عاطل عن العمل. Oui, très bien. Je suis au chômage. Je répète, je suis au chômage. أنا عاطل. Je suis au chômage. الآن إذا أردت أن أقول أنا وراءه أو أنا وراءه. Oui, très bien. Je suis derrière lui. Je répète, je suis derrière lui. أنا وراءه. Je suis derrière lui. Une autre phrase. سأعود أو سوف أعود لاحقا. فكر قليلا. Oui, très bien. Je reviendrai plus tard. Je répète, je reviendrai plus tard. سوف أعود لاحقا. Je reviendrai plus tard. الآن إذا أردت أن أقول مثلا لقد فقدت ساعتي. نعم جيد. J'ai perdu ma montre. Je répète, j'ai perdu ma montre. لقد فقدت ساعتي. J'ai perdu ma montre. جملة أخرى. أنا سأخذ هذا. Oui, très bien. Je vais prendre ça. Je répète, je vais prendre ça. أنا سأخذ هذا. Je vais prendre ça. Une autre phrase. أنا أنظف غرفتي. نعم. Je nettoie ma chambre. Je répète. Je nettoie ma chambre. أنا أنظف غرفتي. Je nettoie ma chambre. Une autre phrase. أنا سوف أذهب. نعم. Je vais partir. Je répète. Je vais partir. أنا سوف أذهب. Je vais partir. الآن إذا أردت القول أنا سأصطحبك أو أنا سأصطحبك إلى المدرسة. Oui, très bien. Je vais t'emmener à l'école. Je répète, je vais t'emmener à l'école. أنا سأصطحبك إلى المدرسة. Je vais t'emmener à l'école. Une autre phrase. أنا أشعر بالبرد الآن. نعم, j'ai froid maintenant. Je répète, j'ai froid maintenant. أنا أشعر بالبرد الآن. J'ai froid maintenant. Une autre phrase. أنا مشغول جدا. نعم, je suis très occupé. Je répète, je suis très occupé. بالنسبة للمؤنث يكفي أن نضيف E للكلمات أو للصفات occupé. Je suis très occupé. أنا مشغول جدا أو أنا مشغولة جدا. الآن إذا أردت أن أنفي هذه الجملة وأقول أنا لست مشغول. نعم جيد أحسنت. Je ne suis pas occupé. Je répète, je ne suis pas occupé. بالنسبة للمؤنث نضيف E كما قلت سابقا. Je ne suis pas occupé. أنا لست مشغولا. أو أنا لست مشغولة. أدخلت فقط أداة النفي اللي هي ne pas. الآن إذا أردت أن أقول أنا لست مستعدا. نعم جيد. Je ne suis pas prêt. Je répète. Je ne suis pas prêt. أنا لست مستعدا. بالنسبة للفتاة أو بالنسبة للمؤنث فإننا نقول Je ne suis pas prête. Je répète. Je ne suis pas prête. أنا لست مستعدة. الآن إذا أردت أن أقول أنا أحتاج إلى أن أعود أو أرجع للمنزل.
نعم جيد أحسنت. J'ai besoin de rentrer à la maison. Je répète, j'ai besoin de rentrer à la maison. أنا أحتاج إلى أن أرجع أو أعود إلى المنزل. J'ai besoin de rentrer à la maison. Une autre phrase, لست متأكدا. نعم, je ne suis pas sûr. Je répète, je ne suis pas sûr. لست متأكدا. Je ne suis pas sûr. الآن إذا أردت أن أقول ليس لدي الوقت. نعم جيد. Je n'ai pas le temps. Je répète, je n'ai pas le temps. ليس لدي وقت. Je n'ai pas le temps. Une autre phrase. أنا بحاجة لتغيير ملابسي. Oui, très bien. J'ai besoin de changer mes vêtements ou on peut dire aussi j'ai besoin de changer mes vêtements. أنا بحاجة لتغيير ملابسي. J'ai besoin de changer mes vêtements ou j'ai besoin de changer de vêtements. Une autre phrase. أنا بحاجة للذهاب إلى السوق. Oui, très bien. J'ai besoin d'aller au marché. الآن إذا أردت أن أقول إنه نادرا ما يأتي كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم c'est rare quand il vient. Je répète c'est rare quand il vient. إنه نادرا ما يأتي. C'est rare quand il vient. عبارة أخرى لا أريد أن أراك تشكو بعد الآن. Réfléchis un petit peu. Oui très bien. Je ne veux plus te voir te plaindre. Je répète, je ne veux plus te voir te plaindre. La أريد أن أراك تشكو بعد الآن. Je ne veux plus te voir te plaindre. Une autre phrase. ما الذي يجعلك تعتقد أني لن أكون قادرا؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne serai pas capable? Je répète, qu'est-ce qui te fait croire que je ne serai pas capable? ما الذي يجعلك تعتقد أني لن أكون قادرا؟ Qu'est-ce qui te fait croire que je ne serai pas capable? Une autre phrase, سأزورك في يوم من الأيام. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je te rendrai visite un jour. Je répète, je te rendrai visite un jour. أو يمكن القول كذلك Je te visiterai un jour. Je répète Je te visiterai un jour. Une autre phrase كنت على وشك اصطحابك. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم J'étais sur le point de venir te chercher. Je répète J'étais sur le point de venir te chercher. كنت على وشك اصطحابك. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما هكذا تقال الجملة. J'étais sur le point de venir te chercher. يجب أن تكون قد أنهيت عملك قبل الظهر. Réfléchis un petit peu. Oui, très bien. Vous devez avoir terminé votre travail avant midi. Je répète. Vous devez avoir terminé votre travail avant midi. يجب أن تكون قد أنهيت عملك قبل الظهر. On peut dire aussi, tu dois avoir terminé ton travail avant midi. Une autre expression, لدي الكثير من الأصدقاء لمساعدتي. Oui, j'ai beaucoup d'amis pour m'aider. Je répète, j'ai beaucoup d'amis pour m'aider. لدي الكثير من الأصدقاء لمساعدتي. J'ai beaucoup d'amis pour m'aider. Une autre phrase. اعتقدت أنك ستكون قد شبعت بعد تناول شريحة اللحم الكبيرة. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ أعلم أنها طويلة ولكن حاول أن تفكر في الإجابة. نعم. Je pensais que tu serais rassasié après avoir mangé ce gros steak. Je répète. Je pensais que tu serais rassasié après avoir mangé ce gros steak. Rassasié, c'est un verbe de premier groupe. Je pensais que tu serais rassasié
Après avoir mangé ce gros steak, اعتقدت أنك ستكون قد شبعت بعد تناول شريحة اللحم الكبيرة. Une autre phrase. لقد اعتبرت هذا مكسبا أنه سيحافظ على كلمته. نعم, j'ai considéré comme acquis qu'il tiendrait sa parole. Je répète, j'ai considéré comme acquis qu'il tiendrait sa parole. لقد اعتبرت هذا مكسبا, أكي هو مكسب, أنه سيحافظ على كلمته. J'ai considéré comme acquis qu'il tiendrait sa parole. الآن إذا أردت أن أقول لم يكن لدي خيار سوى قبول العرض. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter l'offre. Je répète, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter l'offre. لم يكن لدي خيار سوى قبول العرض. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter l'offre. جملة أخرى. يخطط دائما لشيء ما بعناية قبل القيام به. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم, il planifie toujours une chose minutieusement avant de la faire. Je répète, il planifie toujours une chose minutieusement avant de la faire. يخطط دائما planifie هي يخطط يخطط دائما لشيء ما بعناية minutieusement هي بعناية قبل القيام به. Il planifie toujours une chose minutieusement avant de la faire. الآن إذا أردت أن أقول يقول له الطبيب يجب أن يرتاح. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, le docteur lui dit qu'il devrait se reposer. Je répète, le docteur lui dit qu'il devrait se reposer. يقول له الطبيب يجب أن يرتاح. Le docteur lui dit qu'il devrait se reposer. جملة أخرى. لم يكن لدي وقت للبحث عما تريده. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je n'ai pas eu le temps de chercher ce que tu voulais. Je répète, je n'ai pas eu le temps de chercher ce que tu voulais. لم يكن لدي وقت للبحث عما تريده. Je n'ai pas eu le temps de chercher ce que tu voulais. Une autre phrase, وعدنا, نحن وعدنا بدعمها في حالة حدوث مشاكل. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, nous avons promis de la soutenir en cas de problème. Je répète, nous avons promis de la soutenir en cas de problème. نحن وعدنا بدعمها في حالة حدوث مشاكل. Nous avons promis de la soutenir en cas de problème. عبارة أخرى, أنوي البقاء في المنزل طوال اليوم أو أنوي البقاء في منزلي طوال اليوم. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, j'ai l'intention de rester chez moi toute la journée. Je répète, j'ai l'intention de rester chez moi toute la journée. Ou on peut dire aussi, j'ai l'intention de rester à la maison toute la journée. Je répète, j'ai l'intention de rester à la maison toute la journée. أنوي البقاء في المنزل طوال اليوم. Une autre phrase, لا أستطيع تحمل موقفه المتغطرس. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ المتغطرس كنا قد رأيناها سابقا, متغطرس, متكبر, متعجرف, تعني كلمة واحدة كنا قد رأيناها. نعم, je ne peux pas supporter son attitude arrogante. Je répète, je ne peux pas supporter son attitude arrogante. Supporter هي يتحمل. لا أستطيع تحمل موقفه المتغطرس. Arrogante, كما قلت, هي متغطرس, متكبر, متعجرف. Je ne peux pas supporter son attitude arrogante. Et avant de vous quitter, chers amis, j'aimerais bien partager avec vous, comme d'habitude, une expression française fréquente. Se jeter dans la gueule du loup.
Je répète, se jeter dans la gueule du loup. Ça veut dire s'exposer à un danger de manière imprudente. En arabe, يعني الشخص الذي يعرض نفسه للخطر بطريقة متهورة, imprudente, متهورة. Se jeter dans la gueule du loup. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال يوم يقول كدت أن أرتكب خطأ. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. أتمنى أن يكون الدرس اليوم قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.